Salut à tous et bienvenue à la Terpenterie. Alors aujourd'hui on est avec Gilles. Gilles qui nous a ramené cette magnifique 370Z Nismo. Je sais pas, moi c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. Déjà tu sais, quand ils ont sorti la 350Z, pour moi ça a vraiment été le... Waouh, c'est bah, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment la Porsche de chez Nissan en fait. Tu sais, c'est, on retrouve cette structure avec ses grosses fesses. C'est ça. C'est, c'est ce qui me plaît chez elle. Cet aspect un peu crapaud est vraiment... Non, je trouve que les Z sont vraiment des voitures réussies. Enfin bon, c'est toi qui vas nous la présenter aujourd'hui. Alors dis-nous tout. Pourquoi une 370? Est-ce que tu es un fan de la marque? Oui, je suis fan de la marque sans être un fan, mais c'est surtout que je voulais un coupé. Ouais. Un coupé un peu des chevaux. Et, ah bah là, t'as un vrai coupé là. Voilà, et un petit peu rare, qui n'est pas voilà, tout le temps dans les rues qu'on la croise. Et puis voilà quoi, surtout. Ouais. Ouais, d'où le Nismo pour le côté un peu rare. C'est ça, ouais. C'est ça. Elle est donc de 2016. J'ai acheté, elle avait 21 000 km. Ouais, oh, neuf. Oui, et là encore neuf. Ah ouais, combien t'as fait de kilomètres avec depuis que tu l'as? 7 000 km en un an quoi. Ah ouais, ouais. En un an que je l'ai. Ouais. Oh. Ah ouais, et donc voilà, ça c'est la voiture du week-end? Non, c'est une daily aussi, je roule aussi avec, je taffe avec, ouais, il n'y a pas de... Non. Niveau conso, c'est pas trop... Bon, ah, oui, dépend. C'est une bonne voiture. T'achètes pas ça pour faire des économies, sinon, sinon t'achètes ça, pas, quoi. Ça a rien. Pour l'instant, je vais parler du côté un peu Nismo. On a un moteur plus performant. 344 chevaux. D'accord, au lieu de 328, plus exactement, ouais, ça dépend. Ouais, ouais, on gagne une vingtaine de chevaux. Pas grand chose, mais bon. Mais t'as aussi tout le, toute la touche esthétique. Il y a une petite carrosserie, il y a des jantes, il y a des barres aussi à l'intérieur, des sièges récaro. Qui définit vraiment ce côté Nismo, voilà. Ça a toujours été ce liseré rouge. Exactement, qui rappelle sur le volant, de partout. Petit questionnaire surprise, vous savez ce que ça veut dire Nismo ou pas? Moi je savais pas, hein, c'est Gilles qui vient de me l'apprendre. Ça veut dire Nissan Motorsport. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois aussi que t'as un bout de ligne là qui est pas bien d'origine. Non. Ouais, hein. Nvidia en plus. C'est ça. Ah, ça c'est le top. C'est ça, une demi-ligne, hein, elle était. Quand j'ai acheté, elle y était quoi. Bon, je trouve ça dommage d'avoir changé une ligne là-dessus. Bon, après, ça c'est chacun ses goûts, ses couleurs, c'est dommage. Sa ligne d'origine, ça c'est, il est tagué Nismo, donc je crois. Bon, après. Ouais. Non, et puis surtout que oh, Nvidia, c'est de la bonne caméra. Voilà, bon, sur le coup, je savais pas, mais c'est vrai que... Tu l'as acheté, c'était déjà dessus. Ouais, elle était dessus, ouais. Bah, écoute, dessus. Tant mieux, hein. Non, mais oui, ouais, ça, vraiment, c'est un petit billet, oui, voilà. Quoi, ouais. Donc oui, du coup, toi, t'as toujours été un peu chez Nissan ou... Non, pas du tout, avant, j'ai eu deux Leon, une 150 chevaux, TDI. Après, j'ai eu une Leon FR, série limitée Evan Müller, de 170 chevaux. D'accord. Ah oui, cette fameuse série limitée, où il y en avait combien? 300 en France. 300. Et voilà, avec le kit linéaire dessus, c'était magnifique, blanche. Après, j'ai changé, je voulais, tiens, je vais prendre un coupé. Je suis pour une Subaru BRZ. Ouais, ah, BRZ, ouais. Blanche, après pareil, à 200 chevaux réels, voilà, que j'ai gardé 2 ans. Et après, je voulais rester encore, je veux encore prendre un coupé. Je voulais prendre une Z. Au départ, je voulais prendre une Z classique, quand on m'a pris la Nismo, quoi. Ah bah, ça fait plaisir. Eh, on va pas se priver, hein. Voilà. Je vois que t'as pas pris que la voiture, t'as aussi tout l'attirail, là. Voilà, la casquette, le petit pull en dessous, là aussi, hein, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, bon, si tu pars en balade, tu mets la tenue. J'ai vu la montre aussi. Alors, la montre aussi, voilà. Ouais, je suis fan de montre, du coup. Là, je pense qu'on a le plus grand fan de Nismo qu'on ait jamais vu, quoi. Non, mais vraiment, c'est cool de voir des gens passionnés comme toi. Parce que aussi, j'ai cru comprendre que. Alors, ça, c'était ton petit bébé, quoi. C'est, à fond dans le détailing, c'est toujours ça, voilà, propre. Tous les 15 jours maximum, là, à les nettoyer à fond, voilà, quoi. Avec la sabage de protection, le dor au garage, voilà, quoi. Bah, ça a un coût, autant entretenir, et voilà. Et ça a un avantage aussi, c'est quand tu remontes ta voiture, bah, le gars, il fait le tour en 2 secondes, voilà, quoi. Il y a pas de. Voilà, la voiture, elle est clean, et voilà. Non, bah, ça fait plaisir de voir des vrais passionnés comme toi. Parce que, non, tu sais, souvent, il y en a qui se disent passionnés automobiles, mais ils achètent des grosses voitures pour les souiller et les revendre. Et... Ça fait pas les révisions, voilà. Ça fait quoi, ça fait changer un pneu. Voilà. Après, je comprends pas, j'ai un coussinet qui est passé à travers. Ouais, non, mais. Bon. Ça, c'est un achat réfléchi, quoi. Tu réfléchis avant, voilà, le coût de l'assurance, le coût de l'entretien, oui. Voilà. Donc, ouais, déjà, c'est vrai que, bon, bah, quand on la regarde de profil, on est vraiment sur le coupé très racé. Très racé, basse. Bah, très, bah, très Porsche. Très c'est exactement, Porsche, en fait, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, on retrouve aussi ces poignées mythiques de la Z. Voilà. Ces grosses poignées. C'est du vrai alu ou... Ah, ouais, c'est de l'alu, oui. Voilà, puis aussi, elles sont jolies, ces jantes. Et alors, ça, c'est les jantes de la Nismo. Ouais, c'est la Nismo renforcée. Renforcée de chez Nismo, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que, ouais, la 370Z standard, elle a pas ses jantes là. Elle a pas ses jantes, non, exactement. Il y a les jantes, il y a aussi l'étrier 4 pistons à l'avant.
Ouais. Alors, je crois que sur la Z classique, il ne sent pas. Vraiment, on voit cette différence entre la jante arrière et la jante avant. La jante arrière, tu vois qu'il y a un déport beaucoup plus important, un noeté beaucoup plus important. En même temps, hein, avec des ailes comme ça, il faut bien les remplir. C'est clair. Donc, il faut mettre de la bonne jante là derrière. Et puis oui, bah, devant, vu qu'on a des ailes moins larges, bah, ils se sont alignés, hein, on va dire, et puis ils nous ont mis des jantes un peu plus plates. Après, si on se met devant... Moi, toujours le petit rappel rouge. Comme tu dis, on retrouve hein, le liseré rouge, ça c'est du Nismo. Elle a un très joli regard cette voiture, je sais pas ce que t'en penses. Ah mais moi je... Ouais, t'en es dingue. Bah, tu sais, le gros projecteur et cette forme qu'ils ont donnée au clignotant, mais sans pour autant non plus partir trop loin de la 350 qu'on connaît. Voilà, tous. C'est ça. Ouais, c'est, hein, ça. C'est vrai que c'est restylé, mais on retrouve quand même l'ancienne. Ça non plus être faire trop tuning à fond, elle est, voilà. Ouais. Je suis pas trop tuning ouais. avec les gros ailerons. Voilà, c'est oui, non, mais c'est clair. Elle est, c'est clair, non mais ça sport c'est... Sport classique, on va dire. Ça, voilà. c'est que ceux qui connaissent rien qui vont dire que c'est du tuning. Voilà. C'est ça. C'est vrai que ouais, quand on regarde le tableau de bord, là, on voit ces trois manos voilà. aussi. Et ça aussi, c'est la marque de la Z. Exactement. Les Z des années qui sont sorties aux années 80, je ne sais plus, il y a exactement les trois manos. Ouais, ils y étaient déjà. Ils y étaient déjà. Et alors, par contre, ces deux bosses là sur le toit, enfin, tu sais, maintenant, ils font beaucoup ça sur les voitures, ouais. même sur les GT86, les BRZ, ouais, tu as les mêmes deux bosses. Sur l'Alpine, la 110, tu retrouves ces deux bosses. Mais alors, ça, par contre, je crois que c'est que depuis la 370. Je crois que sur la 350Z, c'était des toits plats, ouais, encore. Donc voilà, on est sur un vrai coupé, hein. Pas de montant de portière. Et moi, j'ai pareil sur la 406. Donc oui, tu nous disais, du coup, le siège, c'est du Recaro. Voilà, c'est ça. Spécifique au Nismo. La valeur sûre. Voilà. Le volant, il est moitié Alcantara. Ouais, moitié Alcantara cure avec le petit rappel. La petite bande de trajectoire. Hein. Obligatoire sur les voitures de course. C'est ça. Ça, c'est spécifique Nismo aussi. Avec la petite plaque Nismo, les rappels des coutures rouges. Bon, par contre, les tapis n'étaient pas d'origine. C'était livré avec des tapis Z, mais bon, du coup. Toi, tu voulais des Nismo. Voilà. Merde, j'ai une Nismo. C'est ça. Je me suis fait dérouiller, mais je les ai achetés. Et ah ouais, donc t'as quand même de l'instrumentation à l'intérieur, GPS, tout ça. Il y a tout, oui, c'est ça. Sonobose dedans, avec le caisson Bose. Sonobose. Ouais, donc en plus de ça, tu dois avoir un joli son dedans. Exactement, voilà. Voilà. Ça. Mais au détriment du coffre, par contre. C'est ça. Il y a plus de place. C'est comme t'expliquais. Est-ce qu'on peut regarder le coffre rapidement? Donc le coffre est immense, mais il est pas profond. C'est-à-dire que là, je suis au fond du coffre, en fait. On peut dire que t'as pas des si grands bras. Bon bah oui hein, forcément j'imagine que c'est pas une voiture pour aller faire le tour du monde avec. C'est ça, c'est pas une voiture familiale, bon tu pars en week-end avec madame et puis voilà quoi, c'est tout. Deux places en plus. Deux places, ouais. C'est ça. Ouais, il y a même pas de petite banquette, là on est vraiment sur une deux places. On retrouve également le sac Nismo, parce qu'on fait rien à moitié, enfin parce que Gilles ne fait rien à moitié. Et on retrouve également bah voilà cette fameuse barre anti-rapprochement qu'il y a bah, dans les Z. Hein. Alors par contre, pour le coup, je trouve que tu vois, sur la 350, ils avaient quand même fait un effort, tu vois, de la rendre jolie, de marquer, tu vois, Z dessus. Or là, je trouve, ils ont vraiment juste mis une barre. Une barre, il est dingue. Enfin, ouais. Limite, on dirait justement l'enrouleur du oui, cache-coffre, tu vois. C'est vrai. Bah, du coup, ouais, je vois que c'est teinté un peu ça, c'est teinté d'origine. Non, c'est moi qui l'ai fait faire. Ah, t'as fait un peu de tuning, du coup. Waouh. Doucement. Comme ça claque bien. C'est agréable les voitures neuves, les voitures récentes. Ouais, on est quand même sur un joli moteur. Hein. Voilà, c'est un trolley 7. On voit que la présentation, elle est soignée. C'est bien optimisé, il n'y a pas de place. Non, hein, c'est terminé. Des voitures comme ça, c'est pas des voitures que tu touches trop non plus. Hein, non, je pense que non. J'ai juste mis dessus des filtres Hypercross. Et oui, parce que du coup, voilà. Là, on a un filtre de chaque côté. Exactement. Et oui. Il y en a deux. Mais c'est tout, quoi. C'est juste ce que je vais faire. Ouais. Ça sert à rien. C'est chaud, puis voilà, mettre des stages, voilà, c'est pas mon délire. C'est pour moi dénaturer les voitures, enfin voilà, surtout oui. Celle-ci, quoi, voilà, après chacun oui. Fait comme il veut. Mais... Ah, et puis là, comme on disait tout à l'heure, c'est Nismo, c'est déjà sportif. Voilà, et après la revente, c'est les questions, t'as fait quoi, il y a eu quoi, il y en a dit, voilà, du coup, ouais. Après c'est hyper compliqué, surtout dans ces voitures-là. Ça, c'est des voitures qui ont de la valeur dans leur état d'origine. Voilà, voilà. Surtout qu'en plus là, en France, c'est le plus commercialisé. Ah, c'est plus commercialisé ? Je suis ce matin sur le site de Nissan, ils proposent la GTR, mais la Z n'est plus au catalogue. Il en reste, c'est terminé, impossible. Ah, donc si on veut en avoir une neuve, c'est plus possible. C'est plus possible. Okay. En France, c'est plus possible. Ils vont sortir la 400Z, je crois que l'année prochaine ou dans deux ans. 400 chevaux, biturbo, elle ne sera pas commercialisée en Europe. Elle pollue trop. Du coup, celle-ci, elle va être une des dernières. Ouais, bah, faut la garder alors. C'est clair. Faut la garder. Est-ce que tu nous la démarrerais?
Allez. Voilà, on la laisse chauffer 5 minutes et tu nous fais un petit peu écouter le son qu'elle fait. Allez. Bon, ça, pas de rupteur. Non, mais il n'y aura pas de rupteur. Non, mais on est d'accord. Laissons chauffer la bête. Bon, on fait l'outro rapidement sans micro-cravate, parce que la flemme de se rééquiper, hein. En tout cas, Gilles, merci beaucoup d'être venu nous présenter ta voiture. Ah, moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment une voiture qui m'a toujours fait rêver, la Z. Ouais. Aujourd'hui, t'as réalisé un de mes rêves. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous de m'avoir invité déjà. Et je fais une petite dédicace au team The Crew 38 et au team Kamikaze France. Voilà. The Crew 38, hein, qu'on embrasse, qu'on connaît personnellement. Et bah, que dire de plus ? Ah oui, ne pas oublier le like, hein ? On vous connaît, vous. Hein. Et abonnez-vous surtout. Un petit Instagram ? Oui. Ouais, t'es présent sur Instagram ? C'est ça, voilà. Donc bon, c'est noté ici, mais je vais vous le marquer ici, comme d'habitude. En tout cas, vous, là, derrière vos écrans, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Si vous voulez voir plus de vidéos sur des voitures comme ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire une fois de plus. Abonnez-vous, putain. Abonnez-vous. C'est quoi le chiffre, Val, déjà ? Toi, tu le connais bien. C'est 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Hein. Ouais. C'est fou, hein. C'est ça. Ça, je vois le chiffre. Oh, putain ! Ouais. Ça m'énerve. Non, mais tu vois, si c'est 80% de personnes s'abonner à la chaîne, t'imagines ? Vous les abonnez ! Oh là. Alors abonnez-vous ! Enfin bon. Allez les gars, d'ici là, bah portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut. Merci. Ciao.